I'm here tonight to speak on behalf of my colleagues, my friends, my loved ones that I really love. I work with them in Syria. I work with them even when I came here to France. And they inspired me. They give me a lot of thoughts about what it does mean freedom, what it does mean to have dignity, what it does mean to fight for what you believe. And they are the reason why I'm here today. And they are the reason why FIDH picked me up to speak on behalf of them today. Because unfortunately that they cannot be here today to speak directly to you, all of you. In Syria, people are not black or white. There is something in between, human. They're human as well. And there are a lot of people like Mazen Darwish, Razan Zaytuna, Samira, Wael, Nazim, Khalil, Basil, Ayham Ghazoul, and I can tell you a lot of names, really a lot of names. With my colleague that they're working with, FIDC, SCM, everywhere in Syria, they're really trying not to defend themselves, their people only. They're trying to defend everybody. They're not all terrorists. Thank you for supporting the causes of Syrian people, like SCM and Razan's case. Thank you for all of you. Thanks. Après l'assassinat de deux dirigeants de la société civile, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, c'était en février, le 6 février 2012, 2013 et le 25 juillet 2013, le pays a failli sombrer dans le chaos. Nos espoirs à ce moment-là n'ont jamais été aussi ténus. Nous avons donc décidé quatre organisations indépendantes qui sont la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, l'UGTT, l'Union générale des travailleurs de Tunisie, le Conseil de l'ordre des avocats de Tunisie et l'Union générale des patrons tunisiens. Nous avons décidé de constituer un quartet indépendant et nous avons porté l'espoir des Tunisiennes et des Tunisiens et leur aspiration pour obtenir l'ensemble des partis politiques de l'opposition et des parties prenantes de la coalition gouvernementale une feuille de route, aboutissant à l'adoption en fin janvier 2014 d'une constitution progressiste respectueuse des libertés et des droits humains et de la mise en place d'élections libres et pluralistes. Lorsque je vous parle ainsi, vous ne pouvez pas imaginer les difficultés que nous avons dû surmonter. Un projet de constitution avait été préparé par la Troïka qui était au pouvoir. Ce projet, il était un projet liberticide. Donc, il a fallu reprendre ce projet mot à mot, négocier chaque phrase, négocier chaque mot pour aboutir à la fin à la constitution que nous avons maintenant et dont nous sommes fiers, celle du 27 janvier 2014.